soin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché, et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qu'il aime et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Panjenengan sak menika Gusti. Rahayu ibu ingkang garbeni sono sepi paduka. Luwe rahayu wong kang krungu pangantikaning Allah lan gatekake. Mucal kawulon ndedonga. Kados Nabi Yohanan mucal sekabatipun. Menawa kowe ndedonga munjuk mangkene, duh Rama kawula wonten ing swarga. Asma paduka kasucikna. Kraton paduka rawuh, karso paduka kalampahana ing bumi kados dene ing swarga. Kawula kaparingana rejeki ing saben dintenipun. Saha dosa kawula kaapuntena kados dene kawula ngapunten tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Sarta sampun katandukaken ing panggudha nanging kauwalna saking piyawon. Ono ing kitab suci, Allah ngendika yen Al-Masih bakal rawuh pinangka juru slameting dunya. Lelakon uripe Isa bukti yen panjenengane iku salah sawijining wong kang diwartakake para nabi. Nabi Yesaya menehi weruh menawa ana kenya kang bakal ngandhut lan nglairake jabang bayi. Pirang-pirang abad sakwise Isa lahir, mujudake apa sing wis diramalke sadurunge. Kitab suci nyatakake menawa sing dilairke kanthi suci iku bakal kasebut putraning Allah. Iku tegese Isa bakal kasebut putra Allah ing sajroning pangerten rohani. Kita kabeh nyekseni kasunyatan iki liwat lelakon uripe Isa. Isa nyarasake wong loro, ngapurani sak kabeh ing dosa, lan janjekake sawijining panggonan ana ing kraton dalem Allah kang langgeng. Isa nyerahake ragane pinangka panebuse dosa lan wungu saka sedo. Kabeh mau wis jumbuh karo rencanane Allah. Isa ngandika, sapa wae ora bakal ana sing iso njupuk uripku saka aku. Aku menehake miturut karepku dhewe. Lelakon uripe Isa ora mung genepi tulisane para nabi, nanging uga neguhake yen firman Allah iku suci. Para nabi nyatakake, firman dalem Gusti iku sampurno. Firman panjenengane langgeng duh Gusti. Isa dhewe ngendika, langit lan bumi bakal sirna, nanging sing tak ucapake ora bakal sirna. Isa rawuh saperlu maringi urip kang kaluberan, nanging nalika manungsa orang gugu kersane Allah ing Taman Eden,
iku ateges manungso milih dalane dhewe lan tumindake iku misahake manungso karo sing nitahake. Miturut kitab suci, kabeh manungso wis tumindak dosa, lan opae dosa yaiku pati, yaiku mati kanthi cara rohani ateges pisah saka Allah saklawase. Nanging kaya dene Allah nyediakake wedhus lanang kanggo ganti anake Abraham, semono uga panjenengane ngirim Isa Sang Almasih sedo kanggo kita. Urip sedo lan wungune mulihake hubungane antarane Allah karo sakabehe manungsa kang percaya marang panjenengane. Saiki sapa wae sing nderek Isa ora mung diapura dosane, nanging uga kaslametake saka hukuman Allah kang langgeng. Kabeh manungsa kajamin mlebu swarga lan manggon karo panjenengane saklawase. Ya urip iki sarta bebase manungsa saka kesalahan lan dosa kang ditawakake Isa marang sakabehe wong saiki uga. Tawaran iki ora ateges nganut sawijining agama, nanging milih lan percaya marang Isa sing ngendika, "Aku ngadeg ing ngarep lawang lan ndodhok, yen ana wong sing krungu swaraku banjur mbukakake, aku arep mlebu lan nemoni dheweke." Iku tegese balik marang Allah lan percaya yen Isa bakal lumebu ing sajroning urip kita, ngapurani dosa-dosa lan dadekake kita pribadi kang dikersakake. Kanggo mangerteni Isa ora mung cukup nganggo akal utawa emosi. Kita nampa Isa ada dasar kasih kurnia liwat pengandel lan kekarepan. Nalika manungsa sumadyo dadi pendereke Isa Almasih, mula kabeh banjur iso matur marang panjenengane sarana donga sing sederhana. Saiki mungkin para sedulur wis sumadyo miwiti urip ing ngarsane Allah. Yen pancen mengkono, tirokno donga iki ing sajroning atimu. "Gusti, kawula mbetahaken panjenengan. Matur nuwun panjenengan sampun kersa sedo ing kayu salib kangge nebus dosa-dosa kawula. Kawula ngaken lan meratobat saking dosa-dosa kawula. Kanthi saklebeting manah, kawula nampi panjenengan dados juru slamet lan Gusti kawula. Matur nuwun panjenengan sampun kersa ngapunten dosa-dosa kawula lan maringi gesang langgeng. Dadosna kawula pribadi miturut kersa panjenengan." Nalika kawula dados penderek panjenengan. Amin. Isa ngendika marang pendereke, "Domba-dombaku ngrungokake swaraku, aku ngenal sakabehe lan sakabehe melu aku." Kanggo urip kang kaluberan kaya sing dijanjekake Isa, mula saben dina para pendereke matur marang Allah sarana donga lan maca firmane. Kabeh padha nyritakake bab Allah marang wong liya, banjur dadi sedulur ambek kabeh wong kang ngasihi lan nderek panjenengane. "Tansah elinga tumrap janjine kang endah. Marang aku wis diparingake sakabehing kuwasa ing swarga lan bumi. Ngertiyo, aku tansah nunggil karo kowe kabeh nganti tumekaning akhir jaman.